Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Alterna TV, une émission spéciale en hommage donc au grand militant Sadr Hajras, figure du mouvement national et ancien dirigeant du PCA, du Parti communiste algérien et du Parti de l'avant-garde socialiste. Nous sommes ici au centre loisirs communautaire de Saint-Michel, dans un quartier, le quartier de Jean Talon, donc à Montréal, avec des citoyens et citoyennes originaires d'Algérie qui ont tenu donc à assister à cet hommage à un grand militant disparu il y a quelques jours, le 3 novembre dernier. C'est une émission hybride, donc en présentiel et à distance. On a plusieurs invités qui, j'espère, parviendront donc à prendre la parole pour rendre hommage à ce grand militant.
mais aussi quelques militants aussi qui sont prévus de prendre la parole donc ici, notamment notre amie Alia Farhat qui est présente. On attend, comme vous l'avez vu dans le générique, Monsieur Reda Brixi, anthropologue, et directeur de l'écomusée Algérie, écomusée, je pense, un ancien militant aussi du PACS, qui connaît très bien donc le parcours de Sadr Hajras. On aura sa conjointe, évidemment. Nous sommes vraiment honorés de recevoir aussi. J'espère que elle parviendra à se connecter, donc la conjointe et la compagne de Sadr Hajras, Madame Aliki Hajras. Je la vois connectée, même si la caméra n'est pas activée. On a le témoignage de Khaled Galinari, son fils Ali également, Ali Hajras, me dit-on, donc, est présent, donc va pouvoir prendre la parole. On aura aussi l'intervention de Madame Latifa Medeni, journaliste au quotidien L'Humanité, mais aussi ancienne militante du PACS. Il est prévu aussi la conteuse Kahina Bari, donc elle a promis de se joindre donc à cet hommage-là. On aura également la présence, elle est connectée, mais pour l'instant, donc, elle semble avoir un problème avec l'audio. Madame Khadra Ben Mohamed, ancienne militante du PACS aussi. Et dans un autre, avec d'autres traditions de gauche, je dirais qu'il n'était pas du PACS, on aura normalement la présence de deux militantes. Sanhaja Akrof, figure connue du Hirak à Paris, ancienne militante du PST-GCR, donc c'est une autre expérience de gauche qui a pu travailler avec les militants du PACS depuis les années 80. On a aussi la chanteuse Samia Amour, membre du groupe les Sœurs Amour, donc Ishouiqan Al-Qbayil, donc il y a posté sur son mur Facebook il y a quelques jours un chant vibrant hommage donc aux combattants de la liberté, de la lutte de libération nationale. Donc, elle a permis de se joindre à nous. Donc, sans trop tarder, je vais essayer d'accorder la parole donc, à Madame Aliki Hajras, conjointe et compagne de Sadr Hajras. Je ne sais pas si on pourra l'entendre, sinon on va essayer une connexion via Messenger. Avant d'oublier, ma compagne, donc, pour l'animation de ce live-là, mon ami Mohand Arabi. Donc, bonjour Alia, est-ce qu'on peut avoir donc, l'intervention de Madame Aliki? Encore une fois, très honoré de vous recevoir. C'est difficile comme connexion, c'est une expérience, on n'a pas l'habitude de faire ce genre d'expérience, on n'a pas beaucoup de moyens technologiques aussi, donc on va faire ce qu'on peut. Donc, bonsoir Madame Aliki. Est-ce que vous nous entendez? On vous voit sur Messenger, mais on arrive à vous entendre. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation pour dire un mot sur la grande figure du mouvement national, la grande figure du mouvement ouvrier algérien. Presque 80 ans d'expérience militante. Il est décédé, vous l'avez perdu, et on l'a tous perdu il y a quelques jours. Un mot d'abord par rapport à cet homme. On a entendu toutes sortes d'hommages sur l'homme politique qu'il était, mais dites-nous, madame, comment était Sadr Hajras en tant qu'humain, en tant que père de famille, en tant que conjoint, compagnon de vie? Sinon, peut-être que je ne l'aurais jamais rencontré. Je vivais en Algérie, je ne l'ai pas connu en France. Et j'étais membre du PACS. Donc, en Algérie, le membre du PACS, à partir d'un certain moment, j'ai rencontré Sadr Hajras, avec qui je commençais tout d'abord à coopérer, à travailler pour dans sa clandestinité à l'époque. Et après, avec
la légalité, nous avons uni notre vie parce qu'avant, ce n'était pas possible de le faire d'une façon, disons, légale. Mais on vivait ensemble depuis 85 ans. Mm-hmm. Et Khajares, tout d'abord pour moi, c'est pas seulement un mari, mais c'est ça. Grâce à ta mère pour moi, un aspect de sa culturelle de blanche. Si on a été admis, c'est précisément le fait de retrouver en tant que blanc. La connexion, elle est difficile. Oui, on vous entend mal, Madame Aliki. Pas de problème, je m'entends. Oui, là c'est mieux, là c'est mieux. D'accord. D'accord. Comme c'est mal la communication, je pense que je dois arrêter ici. Oui, juste avant de vous laisser partir, malheureusement, donc la connexion elle est difficile. Vous avez accompagné la dépouille de votre conjoint en Algérie. Vous avez assisté donc aux hommages qui lui ont été rendus. Est-ce que vous êtes satisfaite de cet hommage-là, de la cérémonie? Est-ce qu'on a rendu quelque part donc, un hommage le plus mérité possible pour un grand homme comme lui, ou est-ce que vous auriez aimé que ce soit encore plus fort? Je vais parler de la politique de gouvernement personnel. Ce qui m'a frappé, c'est que le rente des jeunes. Moi, je l'étais prête de la façon suivante. Il y a des ruptures dans la passage des messages de l'histoire en Algérie. Donc, j'ai l'impression que la nouvelle génération ne connaît pas le parcours, pas seulement de sa détresse, mais y compris du PAX, du communiste algérien, de leur passage du PCA au PAX, et aussi de luttes qui ont mené au plan de masse populaire, du volontariat, etc. De l'époque du volontariat des années 70. Je crois qu'il y a une grande cure, certainement, elle était entravée par plusieurs facteurs, entre autres aussi la volonté de ne pas faire apparaître la lutte de progressistes, notamment de communistes. D'accord. Merci beaucoup, Madame Aliki. Encore une fois, toutes nos condoléances pour la perte de ce grand militant. Peut-être donner la parole à Ali, votre fils, pour dire un mot aussi de son côté. Malheureusement, il n'est pas là. Ah, il n'est pas là. OK, d'accord. Il s'excuse beaucoup de ne pas participer. Mm-hmm. Oui. Et de notre deuxième fille, qui malheureusement n'a pas pu venir, sa fille du Portugal, parce qu'elle a eu une bonne santé.
D'accord. Merci beaucoup, Madame Aliki. Courage. Donc, et encore une fois, nos sincères condoléances suite à la perte de votre conjoint, mais aussi une grande figure du mouvement ouvrier en Algérie, une grande figure du mouvement national. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Donc, ça, c'est pas évident. Je vais me tourner vers donc Madame Latifa Medeni, qui est, je rappelle, donc journaliste au quotidien L'Humanité, L'Humanité quotidien connu en France, quotidien lié ne serait-ce que par son expérience au Parti communiste français. Donc, un mot sur la perte de ce géant-là du mouvement ouvrier que vous avez certainement connu. Donc, notamment dans les dernières décennies, parce qu'on sait que Sadra Hajjar a été contraint à l'exil en 1992. Je ne sais pas si vous nous entendez, Madame Latifa Medeni. Oui, le micro. Madame Latifa Medeni. Oh, on ne vous entend pas, malheureusement. Peut-être que votre micro est désactivé, parce que tout à l'heure, vous avez pu nous parler. Est-ce que vous nous entendez, Madame Medeni? Elle s'est figée. Elle s'est figée, oui. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Malheureusement, c'est pénible aussi pour Madame Khadra Ben Mohamed, qui est connectée, a même ouvert plusieurs sessions, mais elle ne semble pas, nous entendre. Madame Khadra Ben Mohamed, est-ce que vous nous entendez? Non, on vous voit, mais on ne vous entend pas. Je ne sais pas si de votre côté, vous nous entendez. Oui, ouais. Non, je ne l'ai pas coupé. Ouais. Ouais. Non, on ne vous entend pas à partir de Restream, à partir du studio, on ne vous entend pas. Mais on va faire la même chose. Alia. Oui. Oui, allez, tu le. Vas-y, ok, allez, c'est déconnecté. La TFA, sinon, tu vas parler directement sur le téléphone, là. Oui. Ah, bah oui, on est vraiment frustrés parce ouais, que. Oui, oui. Oui, et en cours de route, je pensais que c'était vous qui avez peut-être. Non, 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 non. Khadra, est-ce que vous nous entendez? Je suis en train de me reconnecter. Ok. Je suis en train de me reconnecter. Bon, ok. Mais on ne vous entend pas, Khadra. Khadra. Alors là, je suis dans les coulisses. Ah, ok, je vais. Et tu rentres. Et là, j'ai la caméra et la caméra qui est coupée. C'est ça, là. Je ne comprends pas. Tout à l'heure, maintenant, c'est le micro, mais je n'ai plus la caméra. Non, ouais. Tu n'as même pas le micro. Mais on peut la faire parler maintenant. Elle peut continuer. Parce que je suis toujours dans les coulisses. Hein. Bon, écoute, non. On entend avec le téléphone, je pense qu'on va poser des questions en direct par téléphone, tout en essayant de les Allez-y, on vous voit. Ça y est, on me dit que... Là, c'est correct, c'est ça. On me dit que je suis... On vous entend maintenant, Madame Boudani. Ah, pardon. Donc, profitons-en. Elle est partie. C'est bon. On ne vous voit plus, Madame Medeni. Hein? Hein? Ouais.
Je suis en France, ma maman. Oui, Montréal. Oui, on vous entend, c'est saccadé, mais on vous entend. Allez-y. Est-ce que vous nous entendez, Madame Madani? Oui, ouais, mais on n'entend pas, c'est figé. C'est figé. Alia, il faut privilégier l'audio. Oui. Quelle prend la parole dans ce cas-là, Alia? On va te mettre comme tout à l'heure. Madame Aliki va parler directement et on va mettre la caméra. C'est beau? Allez-y, Madame Madani. Oui, je vous entends. On vous entend à travers le Messenger. Oui, je vous entends bien. Il y a un délai. Oui, je vous entends. Oui. Et on n'entend pas ça. C'est figé. Mais ça fait 5 minutes. Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que. Pourtant, moi, je me vois. Il y a un décalage de 5 minutes. Oui. Allez-y. Oui. Allez-y. Ouais, c'est pénible, ouais, c'est pénible. Ouais. Je parle avec WhatsApp ou bien je parle. C'est bon comme ça, c'est bon. Tu parles avec WhatsApp? On t'entend très bien avec toi. Vas-y, go, la paix. Je vais la mesure de la force que représentait
le mouvement communiste algérien à ce moment-là. C'était incroyable, il y avait des délégations qui venaient de tous les quatre coins d'Algérie, du milieu rural, du milieu ouvrier, les plus grands intellectuels et artistes étaient là. On s'est dit, mais avec une force pareille, c'est pas possible, nous devons peser. Et on avait aussi la conscience que ce moment était extrêmement délicat, très délicat, c'était donc décembre 90. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, l'issue de ce congrès d'ailleurs a démontré à quel point on était à un moment difficile. Et donc, je voulais témoigner de ces deux moments. Le rassemblement, donc il y a eu le 8 novembre à Paris, pour le départ au pays natal de la découpe de Sadr Rajos, et ce moment donc de ce congrès au cours duquel Sadr Rajos a fait un discours absolument brillant, mais qui n'a pas abouti à sa réélection, puisque c'est une nouvelle direction qui a été élue à ce moment-là. Alors Sadr, c'est vraiment quelqu'un qui avait réussi à concilier la théorie et la pratique. C'est-à-dire que c'était un théoricien et un homme d'action. Et il avait réussi à faire la synthèse. Et c'est sans doute ça qui fait qu'il a tenu toutes ces années, qu'il a pu tenir la place qu'il avait, à la fois pas dans le mouvement national et dans le mouvement communiste. C'était quelqu'un de très ouvert, qui était à l'écoute des autres, de très curieux, il avait une grande culture. Donc c'était un militant, mais aussi un grand intellectuel. Et vraiment, nous perdons quelqu'un de grande valeur. Voilà. Oui, je ne sais pas si elle nous entend. Madame Madani, vous avez évoqué le rassemblement de décembre 90. Est-ce qu'une partie de la déception, de Sadr Rajos n'est pas due justement à cette rupture qu'il y avait, que certains ont pointé entre la gauche d'une façon générale et en particulier le PACS et la population? On sait qu'avant décembre 90, il y avait un juin 90, les élections communales remportées de façon massive par le FUS et qui se sont soldées par un très décevant résultat, non seulement des forces démocratiques, mais en particulier de celui du PACS. À l'époque, c'était quelque chose comme 24 000 voix pour le plus vieux parti d'opposition en Algérie, qui, comme vous l'avez souligné, qui avait réussi à faire des jonctions donc avec toutes les couches de la population, notamment avec la classe ouvrière, les étudiants. Est-ce que ce n'était pas ça, justement, qui la raison principale de la déception de Sadr Rajos et d'un certain nombre de militants et de cadres du PACS et ce qui s'est passé, et ce qui a produit donc, l'éclatement qu'on a vu après, l'éclatement du PACS en plusieurs factions? Oui, ouais, je voulais vous entendre sur l'impact des résultats des communales de juin 90, le résultat du PACS, oui. L'impact des élections municipales de 90 et de tout ce qui se passait déjà, bien évidemment. Mm-hmm. Il y a eu un grand débat, il y a eu des divergences de vues. En ce qui concerne l'appréciation de la situation que nous vivions et la marche à suivre, enfin, les positions à prendre par rapport à ça. C'était extrêmement difficile et d'ailleurs, je crois que une des principales raisons, c'est que, comme l'a dit Sadr Rajos lui-même, le Parti communiste algérien a beaucoup souffert des longues périodes de clandestinité, ce qui fait qu'il n'a pas eu l'occasion de faire le bilan, de faire les autocritiques, de débattre, etc. C'était très compliqué, alors que c'était une force. Moi, je vous l'ai dit, c'était très frappant ce congrès-là, où on voyait, on découvrait qu'il y avait toute cette force-là. Et pourquoi ça ne s'est pas traduit? C'est la grande question, et je pense que la clandestinité est une des raisons, mais pas que. C'est-à-dire que nous vivions une situation nouvelle en Algérie à ce moment-là. L'émergence de l'islam politique et de sa forme violente
on a surpris plus d'un quand même. Et donc l'attitude à avoir par rapport à ça, et par rapport au pouvoir, c'est-à-dire qu'il fallait être capable de faire l'analyse de la nature du pouvoir à ce moment-là, c'était pas simple du tout. Donc tout s'est passé très vite, et je crois que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore en train de payer les pots cassés de cette grande confusion. Merci. Mohand, pour une question à Madame Madani. Bonjour Madame Madani, ça fait plaisir de vous rencontrer, de vous écouter. Ma question à moi, parce que moi j'étais jeune étudiant à l'époque où j'entendais la première fois le nom par mes amis, qui étaient aussi mes adversaires politiques à l'époque. C'est mes amis, mes camarades, on était dans les mêmes cités universitaires, à Tizi Ouzou, les militants du PAC, je me rappelle bien, comme ceux du FFS et du RCD. Moi j'étais à la gauche du PAC, on va définir la chose comme ça, à l'époque. Ce que je retiens de lui, parce que c'est un homme qui a beaucoup écrit, qui a beaucoup contribué, j'ai toujours été assidu pour aller chercher ses œuvres, ce qu'il a écrit, Renaissance d'une nation, mais beaucoup d'autres contributions, de sites pleins de richesses sur la mémoire d'une nation, justement, qui s'éveille, on le voit bien. Social Algérie. Social Algérie, exactement. J'aimerais que vous nous disiez cette chose. Moi, c'est ce que je retiens de lui. C'est l'héritage mémoriel, mais aussi l'attitude d'un homme qui avait une ouverture d'esprit, dont l'effort d'analyse, il ne commettait jamais l'erreur de tomber dans des attitudes réductrices à l'égard y compris de l'adversité. Je donne l'exemple quand il analyse le mouvement des ulamas, quand il analyse le mouvement des jeunes, qui était porteur de la question identitaire déjà en 1949, et avant, il les connaissait très bien, c'était ses compagnons. Moi, je retiens de Sadegh Hajjar ça. Au-delà des choses qui peuvent susciter parfois des polémiques, et c'est inutile quand on veut parler de la mémoire d'un homme, de se mettre dans la polémique, je voudrais qu'on insiste beaucoup sur ça. Et vous avez parlé de la présence dans l'enterrement. Moi, j'ai entendu qu'il manquait la jeunesse, les gens qui ont 20 ans, 25 ans, et Dieu sait qu'ils étaient très nombreux dans le Hirak. On a combien de détenus jeunes étudiants qui sont toujours en prison et qu'on a vu depuis près de 4 ans là. Mais paraît-il, moi je n'étais pas en Algérie, je suis à Montréal, il n'y avait pas beaucoup de cette catégorie-là, parce qu'il y a un problème en Algérie qui s'appelle la transmission. Alors j'aimerais vous entendre sur ça. L'héritage mémoriel. Merci. Écoutez, moi, je n'étais pas âgée, j'étais à Paris, donc déjà, je ne peux pas vous dire voilà, par rapport à Alger. Mais c'est vrai, ce que vous dites est très juste. Il y a un gros problème de transmission. Et en même temps, oui, quand vous dites effectivement cette esprit d'ouverture qu'il avait ça de Rajos, c'était très important. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans des postures, il n'était pas dans des dogmes, il était toujours à l'écoute, il était dans des remises en question, il n'avait pas peur de se remettre en question, d'apprendre des autres. D'ailleurs, je crois que ça remonte à plus loin. Hein, déjà, quand il a claqué la porte du PPA, à l'époque, c'est parce qu'il était en désaccord et qu'il avait d'ailleurs publié avec deux autres camarades un manifeste, l'Algérie libre, je crois, et dans lequel d'ailleurs il insistait sur l'importance d'avoir une Algérie plurielle. Il insistait sur la question de la diversité, une Algérie qui fasse place aux cultures populaires, qui fasse place aux minorités. Il insistait sur l'importance d'avoir une citoyenneté civile. Et je crois que, bon, et après, on a vu à travers ses écrits, ses prises de position, comment il évoluait, comment il a pu aussi effectivement se nourrir de l'expérience des autres, tirer les leçons. Donc, c'est un peu c'est ce modèle-là qui est important pour les jeunes aujourd'hui. Je pense hein, que c'est important, d'ailleurs on me l'a dit, des jeunes m'ont dit que c'était une école de militantisme, ça doit être Hajjar. Mm-hmm. Oui. Merci beaucoup Madame Latifa Madani. Avant de vous laisser partir, je ne sais pas si Ali a une autre question ou si parmi les citoyens présents ici à Montréal, il y a quelqu'un qui a une question pour vous.
Mon ami Mohamed vient d'évoquer l'héritage de Sadq Agras. Au niveau politique, on pourrait penser aisément, par exemple, quand on regarde le parcours du MDS depuis le début du Hirak, que le MDS pourrait correspondre donc à la personnalité, au profil, je dirais, si je peux m'exprimer ainsi, de Sadq Agras, à sa pensée, à l'évolution de sa pensée. Or, parmi les absences, on a constaté que le chef du MDS, le porte-parole, le coordonnateur national du MDS, M. Fethi Gharlas, est très populaire. Donc, certains observateurs ont bien noté son absence donc, à l'enterrement. Je ne sais pas ce que c'était pour des raisons personnelles que M. Fethi Gharlas n'a pas assisté à l'enterrement de Sadq Agras, ou est-ce qu'il y avait-il d'autres raisons. J'aimerais vous entendre sur, justement, est-ce qu'il y a une sorte de filiation naturelle entre la pensée de Sadq Agras, entre le Pax tel qu'on l'a connu dans les années 80 et ce qui est devenu aujourd'hui le MDS. Bon, écoutez, sur la présence ou pas, enfin, sur l'absence, je ne saurais absolument rien dire, j'étais pas âgée, il est possible, tant qu'on ne sait pas, on ne peut pas se prononcer, il est possible qu'il y ait des raisons personnelles. Après, la filiation avec le MDS, j'ai bien peur, hein, c'est difficile de parler de filiation parce que le contexte historique est vraiment différent. Le MDS, disons qu'après le Pax, les différents mouvements qu'il y a eu, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de scissions. Je suis journaliste à l'Humanité et j'ai pu constater à chaque fête de l'Humanité qu'il y avait à un moment donné quatre centres de mouvements différents qui se réclamaient du communisme. Donc déjà c'est compliqué. C'est devenu des groupuscules. Et c'est le fait que ce mouvement, l'UMDS par exemple, est tombé du mouvement ouvrier en Algérie et des classes populaires. Il n'a plus la même base que ce que pouvait avoir le Pax à l'époque, y compris quand le Pax était dans la clandestinité. Moi, ce que j'ai vu en 1990 m'a absolument époustouflé. Je ne pensais pas que le Pax, qui était quand même clandestin pendant longtemps, avait une telle base, je vous le dis, aussi bien chez les paysans, chez les ouvriers, chez les intellectuels, chez les artistes, chez les femmes. C'était impressionnant, et dans l'immigration aussi. Donc cette base-là, elle a été perdue. Elle a été perdue pour un tas de raisons, l'exil, le terrorisme, etc. Et puis des divergences et des divisions, effectivement, idéologiques. Merci beaucoup. Je ne sais pas si dans la salle, est-ce qu'il y a une question pour Madame Latifa Madani. Oui, Kader. Oui. Tu pourrais comprendre le téléphone. Ok. Allô. Alors, bonjour Madame. Alors, ma question était que Sadq Agras a été toujours inclusif et le temps a fini par lui donner raison. Il avait un problème, souvenons-nous de son histoire, il la raconte par lui-même, il dit que son meilleur ami Laïmèche lui reprochait d'avoir ramassé de l'argent pour les oulémas, parce qu'ils n'étaient pas dans le même sillon. Et bon, c'était un petit différent d'après lui, qui n'était pas son... Alors, ça, lui, il était dans l'inclusion. Et le temps a fini par lui donner raison, et on a vu comment les oulémas ont intégré le mouvement révolutionnaire. Lui, il a su faire la différence entre les divergences. La différence entre les conservateurs qui étaient, comme en quelque sorte, la différence entre les réformistes et les progressistes. Il a su faire cette différence. Actuellement, il y a eu dernièrement un petit débat aussi pour une rencontre qu'il a eue avec un monsieur à Place de la République où les gens, avec Zetor par exemple, certains lui reprochent comment il a eu une entrevue, il a eu une discussion avec lui. De deux minutes. Les gens ont fait tout un tralala sur cette histoire et j'en suis sûr que l'histoire va finir par lui donner raison parce que parler avec quelqu'un qui diffère de lui ne fait pas de lui comme quoi son allié. Oui. Donc, son caractère inclusif, il est toujours d'actualité. Comment vous pouvez m'analyser ça? Merci. Merci, Kader.
Malheureusement, on a des difficultés à les joindre pour plusieurs, oui. Ah, c'est dommage. Oui. D'accord. C'est comme vous voulez. Mais oui, parce que j'ai vu que vous avez cité des noms et je pense que vraiment. Oui, oui. Si vous arrivez à les joindre, c'est bien, oui. Oui, il y a Samia Amour, la chanteuse qui vient de se connecter. J'espère qu'on va pouvoir lui parler, on va pouvoir aussi l'entendre parce qu'elle a fait un chant magnifique l'autre jour. Sanhaja aussi est prévue, elle devra se. Normalement, se connecter à un moment donné. Je ne sais pas. Bonsoir, Samia. Moi, je reste à votre écoute. Bonsoir, Samia. J'ai l'impression qu'on ne t'entend pas, Samia. Ouais. Merci beaucoup, Madame Madani. Je ne sais pas si vous avez du temps pour rester avec nous. Donc, peut-être qu'il y aura des questions. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci. Bonsoir Samia. Je ne sais pas, est-ce que tu nous entends? J'ai l'impression que c'est le même problème. Oui. Ouais. Ouais. On ne t'entend pas, Samia. On ne t'entend pas. Donc, même chose. Donc, je vais essayer de t'appeler sur Messenger et on va se débrouiller comme on peut. Bonsoir Samia. Oui, mais on t'entend sur Messenger, mais pas sur le studio de Restream. Donc, voilà. Bonsoir Samia et merci d'avoir accepté l'invitation pour cette émission hommage à Sadq Al-Jarras qui vient de s'éteindre le 3 novembre dernier. Je le disais tout à l'heure en introduction, tu as posté un chant magnifique en hommage non seulement à Sadq Al-Jarras, mais à tous les combattants de la liberté, ceux qui sont sacrifiés leur vie pour que tous les Algériens recouvrent la liberté dans un pays libre, dans une, comme tu aimes bien le souligner, dans une république sociale et démocratique. Donc, un mot sur le personnage. Je rappelle, toi, tu n'es pas de tradition, tu n'as pas eu une expérience donc, de militante du PACS, mais tu es une militante de gauche, tu étais militante du PST. Là, tu es en France, tu nous parles depuis Paris. Un mot sur le personnage, sur la grande personnalité de Sadq Al-Jarras. J'emploie ce mot parce que je le sens, camarade. Ma rencontre avec lui a été aussi une rencontre de camarade, bien qu'il soit un entraîné. Il faut savoir que la première chose qui m'a frappée chez Sadq Al-Jarras, c'est sa curiosité de comprendre les choses, sa manière d'être à une jeune comme moi, mais il est là à apprendre. Il t'apprend déjà de par son parcours qui est très très riche, son parcours historique, en tant que d'abord un des membres du groupe de Ben Ayoun, qui a aussi forgé une grande partie de ce qu'allait être l'Algérie démocratique, justement dans son rêve. Jusqu'aujourd'hui, et qu'on concrétisera un jour ou l'autre. Et il était aussi, pour moi, et moi, la militante qu'il a connue, bien sûr, sur le tas, quand je suis arrivée notamment en France, c'était une école pour moi. Et quand la première fois que je l'ai rencontré,
j'ai pas du tout senti ça. J'étais face à quelqu'un d'humble. C'est le mot. Mmh. Il est là, il te pose des questions comme si tu viens juste de prendre un café avec lui. Il te connaît depuis longtemps. Il est là dans la curiosité. C'est qu'il est face à un jeune, finalement, qui a une autre expérience. On sent qu'il veut absolument s'approcher le plus possible des réalités. Mmh. Il a fait cette force-là. Merci beaucoup. Voilà. Et si vous voulez, ce chant, il est venu spontanément. Mm-hmm. Comme tu l'as très très bien dit, Rebecca, je le chante à toute cette génération. Parce que c'est un chant que j'ai appris. C'est ma maman, Serge Mambé, qui me l'a transmis. Mm-hmm. Et ce chant, il parle justement de cette rupture qu'il y a eu dès 1945 entre une jeunesse qui voulait en finir avec la présence coloniale et qui savait pertinemment, avec toutes leurs différences de théorie et d'analyse, qu'il n'y avait que la manière forte pour en finir avec le colonialisme. Mmh. Et je le chante, je l'ai chanté pour un tueur aussi. C'est pour la femme quand il est décédé. L'hommage qu'il y a eu spontanément avec lui, je le chante à toute cette génération, tout en espérant d'ailleurs, après l'avoir chanté, j'ai eu d'autres paroles qui sont venues, mais je le chanterai d'autres fois. Mmh. Pour la jeunesse aussi, je cherche. Ouais. Est-ce que tu peux le chanter je sais que la connexion elle est difficile, mais est-ce que tu peux le faire donner pour les internautes d'Alterna TV, pour les citoyens algériens qui sont présents ici? D'accord. Oui. Ce chant existe en kabyle et en arabe. Mmh. Parce que cette génération n'avait pas justement ce problème, ce clivage que nous vivons actuellement. Mmh. Est-ce que tu le chantes dans les deux langues, Samia? Alors, je le connais dans les deux langues. Ok. Ouais. Dans la langue arabe, il est très, très martial. Voilà, c'est un chant, c'est une marche militaire. Oui. Et dans ce chant-là, le chant kabyle, c'est des paroles de jeunes qui rêvaient d'une autre Algérie. Donc, pour vous dire, je ne sais pas, on dit que c'est Mohamedoui Derek Amran, Ali Laimèche, et peut-être aussi quelques vers viennent de Eichmann. C'est ce qu'on dit là. Mais je ne saurais pas vous dire. Moi, je l'ai lu il y a longtemps. Je sais qu'Eichmann a fait référence normalement dans Mémoire de combattants, si je me trompe. D'accord. Ouais. D'accord. Allez-y, Samia, dans ce cas-là. Peut-être dans les deux langues aussi. D'accord. Je m'excuserai juste pour une chose. Ma voix peut-être ne sera pas comme. Je veux dire, voilà, c'est pas un studio, c'est pas évident. C'est pas grave. Voilà. Si ça ne s'entrecoupe pas, c'est déjà bien. C'est bon, ouais. نسوار عشنا زايا تابو شرعينا غادنا تابو با؟ وي وي سي تري بيان سي تري بيان نسوار عشنا زايا تابو شرعينا غادنا عدو زينو يا تناقل آخرا I'm not sure if you're going to be able to do it.
تذكر أجلس وتسلني في حسني يا مغار في قمام كل واسي آيات في حسني تذكر أجلس وتسلني يا تنمير برافو سامية لا فيرسيون ان عرب لا فيرسيون عرب كلنا لضيفنا شبابنا لا يخشى القتال ان نموت شهداء او نعيش في الاستقلال يا ضلال الاستعمار قف ولا تلعب بالنار يا ضلال الاستعمار قف ولا تلعب بالنار نحن شبان احرار قد خلقنا للجهاد نحن شبان أحرار قد خلقنا للجهاد كلنا لقطريبنا حطل شبابنا لا يخشى القتال أن نموت شهداء أو نعيش بالاستقلال Merci beaucoup, Samia. Bravo, bravo. C'est magnifique. Merci. Oui. Pour dire que cette génération, c'est-à-dire que dans sa formation, elle a été formée au sacrifice. Mm-hmm. Oui. Oui, oui. Et c'est ça qui a donné la force à cette lutte armée du peuple algérien, plus comme ils sont. Donc, voilà. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Samia, pour ce magnifique chant en berbère, en kabyle et en arabe. Donc, pour rendre hommage non seulement, comme tu le disais si bien, à Sadr Hajras, le grand militant qu'on vient de perdre, mais aussi à tous les combattants de la liberté, de ceux qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance de notre pays. Merci beaucoup, Samia. Je vais me tourner vers... Merci. Vers Alia. Alia, figure connue du Hirak ici, donc à Montréal, mais aussi ancienne militante. Alia, on a visiblement des problèmes avec la technique, mais je vais brancher la caméra donc, pour qu'on puisse voir donc, Alia. Alia, tu as commencé très jeune à militer, tu le disais la semaine dernière. Donc, à Place Canada, tu as dû connaître Sadr Hajras, le rencontrer pour la première fois, et tu avais l'âge de 16-17 ans lorsque tu as rejoint les rangs des militants du PACS. C'est l'âge aussi de Sadr Hajras lorsqu'il a rejoint le PPA. Il devait avoir 16-17 ans. Donc, dis-nous un mot sur Sadr Hajras, sur le parcours, sur l'expérience de militance, je dirais, que tu as pu avoir comme jeune militante au sein du PACS, mais au sein des luttes populaires. Madame Madani, elle disait tout à l'heure, c'est que le PACS, il réussissait dans les années 70 à faire la jonction donc avec les luttes que menaient les travailleurs, que menaient les paysans, mais aussi les étudiants, les jeunes, etc. Donc, un mot à Alia. Effectivement, j'ai eu une chance inouïe, celle de le croiser, mais je ne savais pas qui il était. Parce qu'on lui mettait une petite postiche, une petite perruque, pour qu'on ne le reconnaisse pas.
parce qu'il était clandestin. Puis pour moi, c'était rien de clandestin, parce que quand on est jeune, on ne sait pas ce que c'est. C'est aujourd'hui que je suis mère, grand-mère, que je me dis « bonté divine ». Vous vous rendez compte, les 25 ans les plus, imaginez-vous chacun d'entre vous, les 25 ans où vous êtes le père ou mère, vous êtes privé de vos enfants. Mais ce qui me frappait surtout en lui, c'est à quel point il était un autre camarade qui est mort parce qu'il n'a pas supporté l'exil, disait notre peuple est clandestin. Qu'est-ce que ça veut dire notre peuple est clandestin? C'est-à-dire dans le moment où il nous y a l'arabe, dans le moment où on se dit khlas tardet al-blad, il y a une révolte qui sort. Il nous l'avait sorti ça quand il y a eu octobre 88. En octobre 88. Et malheureusement, Mohamed, c'est Rabih qui pose la question, mais je réponds à ton ancienne question, on est clandestin. Aujourd'hui, dans cette salle, nous sommes deux anciens racistes. J'ai écrit à tous mes camarades qui ne sont pas là aujourd'hui. Parce que la clandestinité, ça t'habite. Ça t'habite. Alors, comment veux-tu que les nouvelles générations puissent être présentes à l'enterrement? Elles ne connaissent rien. C'est juste des jeunes comme elle, comme Khaled qui t'a envoyé le témoignage. C'est juste les jeunes qui ont la chance de pouvoir être à côté de lui, qui réalisent la montagne que c'est. Sinon, le plus jeune d'entre nous dans cette salle, je pense que c'est pas eux, il est un accident de parcours. Les autres, on a tous des têtes blanches, même si elles sont, on ne voit pas les cheveux blancs, mais nos têtes sont blanches. Ce que je veux dire par là, je m'excuse, ça m'est aussi, tu en parles bien. Ce que je veux dire par là, c'est que le devoir de mémoire, pour moi, c'est ça qui est essentiel. Et la force de SEDAP, c'est d'avoir écrit, de s'être enregistré. Bon, il y a plein d'enregistrements sur Berber Télévision, mais il y a aussi le blog qu'il a créé avec un autre camarade. C'est un très bel entretien qu'il faut aller voir, effectivement, sur Berber TV. Pardon de te couper la parole. Excellent. Et j'en profite pour rendre un hommage à quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas et que vous ne connaîtrez jamais. C'est Abdelaziz. Saoudi. Saoudi. Est mort. Le 27 octobre. Oui. Ils sont partis ensemble. Ils ont vécu ensemble. Ils ont été en plein d'eau ensemble. Et ils sont morts ensemble. La force de ces deux hommes-là, c'est le poème de Nézé.
en plein terrorisme, elle n'a pas bougé. Tout le monde savait qu'elle était militante du Parti communiste algérien et que c'était la mère des enfants de Sadat Rajab. Mais personne, elle était pieds noirs, enfin, elle était d'origine marocaine, militante pour la cause nationale, mais elle est restée en Algérie jusqu'à la fin. Toutes ces femmes et tous ces hommes sont morts en illustre anonyme ou mourront en illustre anonyme. C'est pour cela que le lien de la Vanity Letter va permettre pas seulement de mettre la lumière sur lui et son parcours, mais sur tous ces hommes et toutes ces femmes qui l'ont accompagné dans ses luttes. Merci beaucoup, Alia. Malheureusement, donc, on a eu une déconnexion. On a eu une déconnexion. C'est des aléas. Je ne sais pas si c'est la connexion de ce site-là et qu'on est la cause, parce que on est sur le Wi-Fi du centre de loisirs. On était. Je viens de switcher. Je ne sais pas si vous pouvez vérifier, est-ce que la connexion est revenue, est-ce que le partage sur les réseaux sociaux, sur la page de Facebook d'Alterna TV est revenu ou pas. Donc on va continuer cet hommage-là et quitte à rediffuser, parce que normalement la plateforme Restream, elle enregistre, donc cet hommage-là, on pourra le diffuser en différé s'il n'a pas repris. Mohand, quelque chose à ajouter avant de passer à un autre témoignage. Alia, tu en parlais, donc Khaled Galinari, c'est le fils d'un ancien compagnon de Sadr Ajras, il a lui-même connu Sadr Ajras. Monsieur Fernand Galinari, c'est un ancien militant du PCA, mais aussi du PACS, donc issu des familles européennes qui ont immigré en Algérie durant la colonisation. Donc, on va l'attendre, mais Mohand. Rapidement, moi, je n'ai pas connu Sadr Khadjos personnellement, je n'ai pas milité dans le PACS, mais j'étais dans la proximité, parce que beaucoup de mes amis, des années de l'université, c'était des gens du PACS. Je le disais comme ça en privé, mais parce que Sadr Khadjos a contribué à édifier, à construire ça. Pour moi, le PACS que j'ai connu à la fin des années 80, c'était une école en termes de valeurs, en termes de discipline, comment ces militants du PACS, je parle au-delà de ce qu'on peut penser, de ce qu'ils ont eu comme position. Il a dit qu'un ancien militant du MCB, il va nous rappeler les positions du parti dont il s'agit en 80. Je veux pas, j'ai dit au-delà des positions politiques. Moi, je parle d'un vieux parti qui a hérité des traditions du mouvement national autour du noyau communiste, le Parti communiste algérien. Mais avoir un parti avec des dirigeants qui sont dans la clandestinité et avoir cet ancrage dans la société, et c'était vrai, hein, ça je peux témoigner, un des rares partis en Algérie, qui pouvait se prévaloir, comme le disait tout à l'heure notre ami, de vieux paysans. Vous savez ce que c'est qu'un fellah chez nous ? Un fellah, de vieux fellah, dans toute l'Algérie, qui étaient militants ou qui étaient proches du PACS. Aucun autre parti politique de l'opposition à l'époque ne pouvait dire qu'il avait des militants dans les couches sociales aussi larges que l'ont été les militants du PACS pour l'époque. Et j'en ai rencontré. Et Dieu sait, j'ai encore dans la mémoire, j'ai été édifié. J'ai été... D'où ils sortent ces gens? Des paysans qui ressemblent à mon père, qui ont l'âge de mon père, qui, entre guillemets, je ne vais pas insulter sa mémoire, n'a jamais été à l'école, en gros analphabète, ils ont cette conscience-là. C'est ce que tu dis. Ils sont partis, pour certains, dans l'anonymat, mais au fait, ces paysans-là, à cette époque-là, à part leurs camarades, on ne les connaissait pas. Ils ont traversé le tunnel dans l'obscurité totale, mais ils ont maintenu un pays, ils ont transmis, peut-être pas dans des écoles,
il n'y avait pas de moyens de socialisation, comme on dit, mais ils ont transmis ces traditions. Et c'est ça qui était, comme qui dirait, c'est ça qui a fait mon admiration, pas pour, encore une fois, des positions politiques, pour les valeurs qu'avaient ces militants-là et ces militantes-là, que j'ai rencontrées à l'intérieur de l'université et en dehors de l'université. Et j'ai fini par comprendre que c'était une organisation politique clandestine qui était à l'origine, qui était la source, qui a entretenu cette flamme-là qui vient en grande partie de ce qu'ont été tous les jeunes militants du mouvement national. Tout le monde, je pense, la majorité, se rappelle de cette photo extraordinaire, magnifique. Il faut la voir dans son salon. Comment il s'appelle? Aïtidir. Aïtidir. Non, Aïtidir. Aïtamran, pardon. Aïtamran et Sadek Hajos. Deux beaux gosses, l'autre avec sa béret, le montagnard Kabyle, l'autre, parce qu'il était dans la... Elle est magnifique. On dirait deux acteurs de cinéma et de grande valeur, de grande statut. Mais quand vous prenez conscience de qui il s'agit, d'où ils viennent, de quelle montagne, de quel village, de quel quartier, de ce pays soumis par un colonialisme, il n'y a pas de qualificatif, ce qu'ont vécu les Algériens pendant un siècle et 30 ans, vous vous rendez compte de ce qu'ils ont, ce que disait tout à l'heure Samia dans son témoignage. Voilà d'où est sortie cette volonté extraordinaire d'en finir avec le colonialisme. Et c'est ça qui serait la perte demain s'il n'y a pas de transmission, s'il n'y a pas de garder la mémoire, faire cette journée la mémoire. Et je pense que s'il y a un hommage à rendre à la chose, c'est de beaucoup en écrit, avec Ahmed Bedri, d'autres en écrit. Heureusement, la posture à laquelle Hajros l'a exécla, historique, elle est, je pense, exemplaire et elle mérite qu'on la salue. Merci. Merci, Mohamed. Avant d'essayer de nous connecter avec Madame Khadra Ben Mohamed, qui vient de me dire que peut-être qu'elle a réglé le problème de sang, il y a Samia Amour qu'on a entendu tout à l'heure qui m'a envoyé un message pour dire qu'il y a un autre camarade qui vient de disparaître, un Mali de la révolution, de la lutte de libération nationale, monsieur qu'on appelait Mahmoud l'Argentin, c'est du nom de Muniz, qui vient de décéder, donc paix à son âme, il repose membre de l'armée de libération nationale, donc monsieur Roberto Muniz vient aussi de décéder. Comme on dit, jamais 203, donc on vient de perdre 3 militants progressistes donc liés à la du peuple algérien. Khadra Ben Mohamed, est-ce que vous nous entendez? On ne vous entend pas, donc je vais vous appeler par Messenger, comme on a convenu. Et ensuite, on va passer à un enregistrement de Khaled Gallinari, donc le fils de Fernand Gallinari, un ancien militant du PACS et du PCA. Donc, mais avant ça, on va essayer de joindre par Messenger Madame Khadra Ben Mohamed, donc ancienne militante du PACS, d'une autre génération, je dirais. Malheureusement, donc... oui. Bonsoir, Khadra. C'est ton micro, Khadra, alors. Khadra. On ne vous entend pas non plus. Peut-être que c'est vos écouteurs, micro-écouteurs. Peut-être retirer les écouteurs et essayer de parler. Débrancher les écouteurs, peut-être c'est ça l'origine du problème. Voilà. Là, oui, oui. Allez-y. Donc, dites-nous un mot sur la personnalité qu'on vient de perdre, Sadek Hajros. Oui, est-ce que vous pouvez éteindre votre ordinateur par ailleurs parce qu'il y a des interférences? D'accord.
Allez-y, ça a l'air de fonctionner. Il faut juste éteindre ton ordinateur. Allez-y. Oui, oui. Rapproche le micro. عالية من تحت من تحت فوالا Allez, allez, il faut la rapprocher. Oui, c'est pas trop fort comme volume, mais on vous a entendu. Dans le collège, c'est-à-dire il y avait tout un travail. Le PAC, c'est un parti qui reste pour moi la meilleure école, voilà, que j'ai faite.
ces gens-là avec eux. C'est avec eux qu'on faisait notre école préparatoire pour arriver à adhérer au parti. C'était pas, ça ne venait pas comme ça. Aussi, ils étaient dans notre vie du jour. C'est avec eux qu'on faisait le premier pas. Hein. Je parle de ça pour voir la grandeur de ce parti. Ce parti, les femmes, qu'elle fait les ouvriers, les jeunes, la haine, toutes les catégories d'achat, Sadqa Aïssat qui est décédé aujourd'hui aussi. Comment? Sadqa Aïssat qui est décédé il y a une quinzaine d'années à peu près. Oui. Khadra, vous parlez sans doute d'avant l'article 120. Les progressistes qui ont
يكون أنا حضر معهم بس بهذه الناس أوسي ما نزلش ننساهم بس كانوا أوسي لسبل تاع الإسلاميين في سعيلات كما كانوا نهضر بغنصنبل على واحد المناطق اللي اسمه بندوزي نهضر على حميمي نهضر على بزاف المناطق اللي ما كانوش في حس طبيعة بس حكينو في الأفلا بسيتي دي جون دو غوش كي تي بور لو بروغري تو افيك ليكيل انا في دي شوز انا مني دي باتاي et qui ont été les premiers cibles par les islamistes des années 90. Maintenant, il y a une figure qui a été tuée dans les saïlats. Il y a un homme qui a été tué dans les scouts, parce que même si on a été tué dans le bar de l'Hizb-Tali al-Ishtiraki, on a été tué dans les scouts. Le PACS, c'est toute une organisation. Quand on venait au parti, on ne venait pas comme ça. Ça veut dire qu'il y a toute une préparation, il y a tout un travail. Et il y a un peu en témoigner hein, dans la suite. Quand il y a quelqu'un dans le HESP, qu'il y a un travail de transmission, un travail de suivi. C'est vrai que quand il y a un travail de Oui. Merci beaucoup, Khadra Ben Mohamed. Merci beaucoup pour ce vibrant témoignage. Donc, le témoignage d'une militante de la question sociale. Vous évoquez le rôle de l'Union de Wilaya. Vous parliez évidemment de l'Union de Wilaya, de l'UGTA, l'Ittihad al-Am al-Oumma al-Jazairien. Oui, oui, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Tout à fait. Les jeunes de la légalité, on avait quoi, on a
malheureusement, à ce moment, le parti il a été éclaté. Et je ne sais pas si c'était le moment de... De toute façon, il y a aussi le débat. Il n'y a pas eu de débat. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Le débat reste à faire. Non, oui, voilà. Et je pense que c'est ça, après l'éclatement Hada, il n'y a pas eu vraiment, à mon avis, il n'y a pas eu vraiment un travail tel que le travail qui se faisait dans le PAC. C'est vrai qu'il y a eu Tahiti, il y a eu FDS et tout. Mais moi, je n'ai pas rejoint, je suis parmi les gens qui n'ont pas rejoint tous ces partis, parce que pour moi, le jour d'un congrès, c'était un tremblement de terre, on s'attendait pas à tout ça, voilà. Et du coup, nous sommes nombreux et nombreuses qui n'ont pas rejoint. Tahdi, ou là, le femme, ou là, le PAC, il y a eu plusieurs expériences. Qui auraient tenté de succéder au PAX sans beaucoup de succès, je dirais. Comment ? Je vous disais qu'il y a eu plusieurs tentatives de succéder au PAX. Il y a eu Tahdi, il y a eu le PADS, il y a eu le FAM et d'autres expériences, oui. Oui. La mort, parce que je veux dire que les militants d'Alpac, c'était les premières victimes aussi. Hein. C'était les premiers militants à être visés, à être assassinés aussi. Février 2019. Tout à fait. Merci beaucoup, Khadra. Ben Mohamed, le temps passe, la connexion n'est pas idéale. Yatik Saha. Merci beaucoup pour l'invitation et de nous permettre aussi de parler de cette belle école qui s'appelle le PAX, de parler de nos ces merveilleux camarades. Oui. Oui. On lâchera pas le voilà par ces mots d'espoir. On vous laisse Khadra Ben Mohamed qui nous parlait depuis Paris. À très bientôt dans de meilleures conditions, je dirais. Sahed, merci beaucoup. Voilà, c'est pas l'idéal. On va essayer d'écouter un enregistrement de, comme je le disais tout à l'heure, de Khaled Galinari. C'est le fils d'un ancien dirigeant du PCA et du PAX, du nom de Fernand Hinault, disparu en 2020, si mes souvenirs sont bons. Donc, il nous a envoyé un enregistrement. On va essayer de l'écouter. J'espère que ça va passer.
Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Bravo à Alterna TV pour cet événement hommage à Sadek Adjress. Bravo aussi au centre Saint-Michel de Montréal de donner cette opportunité justement de pouvoir évoquer la vie de donc de cet homme, de ce grand homme qui était Sadek Adjress. Voilà, donc moi j'ai été sollicité parce que je suis un proche de Sadek Adjress. Disons que mon père a milité avec lui dans le Pax clandestin en Algérie. Ils ont noué une relation d'amitié très forte qui a duré jusqu'à la fin de leur vie. Et donc moi j'ai connu un petit peu donc ce personnage qui dirigeait donc ce Pax dans lequel je savais que mes parents militaient depuis assez jeune. Et donc je voyais donc Sadek venir, le docteur Adjress qui était médecin, qui n'était pas avare d'ailleurs de prodiguer des conseils sur la santé et qui disait que lui faisait beaucoup d'exercices, beaucoup de sport et faisait attention à sa santé pour pouvoir durer le plus longtemps dans la Révolution nationale. C'est une des anecdotes dont je me souviens étant enfant. Et donc, voilà, je savais qui il était, je savais qu'il dirigeait donc ce parti clandestin. Et j'avais aussi rencontré quelques personnes qui travaillaient très proches de lui, dont Aziz Belghassem, le regretté Aziz Belghassem, qui a été assassiné par la suite, et Nordine Abdelmoumen, que j'ai pu aussi rencontrer. Plus tard, quand j'ai commencé à militer moi-même et à m'intéresser, disons, au combat de ma famille et de l'histoire un peu de ce mouvement communiste algérien duquel était issue ma famille, et ensuite le Pax dans l'Algérie indépendante. Donc je me suis intéressé, j'ai commencé à faire quelques réunions à Paris, et sachant que Sadek habitait à Paris, j'ai dit à mes parents que je souhaitais le rencontrer et discuter un petit peu avec lui, ce à quoi ils m'ont poussé tout de suite. Donc pour eux, du temps passé avec Sadek, c'était toujours utile. Et donc, en montant à Paris, donc j'allais chez lui, à Malakoff, après mes réunions, et on passait des après-midi à discuter de la famille, des militants, de tout ce qu'il y avait à faire aussi aujourd'hui. C'est-à-dire, une des choses qu'on avait fait ensemble aussi ces dernières années, c'était de rassembler une banque de données sur cette histoire militante, étant donné que les luttes démocratiques en Algérie sous le parti unique étaient clandestines, c'est difficile aujourd'hui de faire une histoire très précise de tout ça. Donc on disait qu'il fallait interviewer des militants qui étaient encore aujourd'hui en vie. Et donc on est allé entre l'Algérie et la France, essayer de retrouver ces personnes-là, réaliser des entretiens filmés. Et il m'a beaucoup encouragé, parce que depuis qu'il avait cessé donc l'activité politique en tant que dirigeant en 1992, tout de suite il s'est retourné vers cette idée d'informer les gens, de rapporter un peu, de faire les bilans politiques de tout ce qui s'était passé durant cette période, et donc écrire, contacter les personnes, essayer de recouper les informations. C'était son quotidien depuis beaucoup, de nombreuses années. Et donc, j'ai pu le connaître intimement aussi, parce que ça a été durant pas mal d'années donc le chef de mon grand-père au sein du PCA, puis ensuite le chef de mon père. Donc moi, l'ayant connu depuis petit, c'est vrai que Sadek avait une aura chez nous, et il représentait quelque chose, quoi. J'ai pu donc nouer cette relation avec lui sur les dernières années. Participer à des traductions, des articles divers, toute l'activité qui était fournie, qu'il menait. Il y a également son site Social Géry, qui est un site très, très, très fouillé sur l'histoire du mouvement national, à laquelle j'ai collaboré avec lui. Pour moi, c'était quelqu'un vraiment qui avait le souci de former les gens, de les amener, de leur montrer que le vrai engagement démocratique, il existe. La politique n'est pas que corruption et malveillance. Donc c'était quelqu'un d'ouvert, c'était quelqu'un qui a combattu donc toute sa vie pour la diversité culturelle de l'Algérie, pour la conception d'une société éclairée, unitaire, unie ensemble, qui avance. Et il disait souvent qu'il fallait que tout cela soit adossé à un parti aussi d'avant-garde, un parti qui défende l'intérêt du peuple, qui se batte pour donc toutes les franges de la société, les libertés, la justice sociale. Et donc ça a été son combat, ça a été une personne qui a vraiment beaucoup
qui a donné sa vie pour ça. Et c'est vrai qu'au-delà de ça, on peut parler d'une personne qui était vraiment, oui, très, très douce, qui était profondément démocratique, qui a œuvré pour essayer de... qui a écrit énormément d'articles que je relisais récemment sur le fait qu'en Algérie, le mouvement national a connu des fractures et qu'on peut se retrouver aujourd'hui encore en Algérie autour de l'intérêt du peuple, une vision qu'il défendait lui, c'est-à-dire démocratique et socialiste, avec donc la justice sociale, la culture et tout ça. Donc, l'héritage de Sadek est incalculable, c'est toute une vie d'engagement, d'abord contre le colonialisme, dans le mouvement national, proche des communistes et des syndicalistes, proche des gens de la culture, proche... Il connaissait intimement l'Algérie dans toutes ses profondeurs. Il a connu, donc, il était ami avec Alula, le grand dramaturge, Khadda, le grand peintre, Issi Akhab, Kateb Yassine, et énormément de gens qui étaient des grands Algériens. C'est difficile en quelques minutes de résumer tout ce que Sadek peut représenter, mais pour moi c'est ça, c'est vraiment l'exemple d'un engagement démocratique, d'un engagement intègre, tourné vers le peuple, toujours avec la volonté d'être toujours plus proche du peuple encore. Et donc voilà, je suis très heureux d'avoir donné mon petit mot. Donc moi, le petit-fils Gallinari, troisième de la génération de ma famille, qui a connu Sadek, avoir un petit peu milité, s'être rapproché de lui et d'avoir ressenti vraiment le privilège que ça représente de connaître des gens comme ça, voués à penser une société fraternelle, une société de justice sociale, de compréhension. Voilà, j'ai envie de dire que c'était vraiment pour moi un privilège de le connaître et j'en ai profité, j'essaie d'en profiter un maximum. Parmi la banque de données qu'on a réunie ensemble, il y a peut-être une grosse dizaine d'heures d'entretien que j'ai mené avec lui sur sa vie. Donc il y a des archives. Je sais que sa famille, enfin Aliki, donc sa femme, sa veuve, est en train de rassembler beaucoup de données à son sujet, photos, archives, éléments d'histoire, pour faire un travail ultérieur qui retrace un petit peu, qui montrera aux nouvelles générations, bien sûr, l'héritage de Sadek Hajjarès en Algérie et dans le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Malheureusement, donc, c'est ça. Entre-temps, donc, il y a Son Hadja, une groupe militante du Hirak connue à Paris, ancienne militante du PST, GCR aussi, lorsqu'elle était en Algérie. Elle a dû côtoyer... je disais ancienne militante du PST, du GCR, militante féministe, a côtoyé des militants du PACS dans les années 80, avant qu'elle s'installe dans la région parisienne au début des années 90. Je ne sais pas, Son Hadja, est-ce que tu nous entends? Visiblement, donc c'est ce mode hybride qui nous empêche d'entendre les internautes. Donc, avant d'essayer de régler le problème, donc je ne sais pas si au niveau de la salle, il y a des personnes qui disaient donc prendre la parole en hommage donc à Sadek Hajjarès. Ah, j'aime bien dire. Oui, oui, تفضل سيف. Merci. Ouais, voilà, peut-être voilà. Rallumer la lumière, oui, on ne voit pas très bien. Voilà, c'est mieux. Voilà, je me présente, Saïf. Voilà, cette rencontre, c'est ce moment, ça m'a permis de vivre tant que qu'on a vraiment dormi, que qu'on a vraiment le à la belle là où je n'étais pas. Le chemin t'en a bien ouvert ma tête. Ça me rappelle une fois qu'on a sur scène en train de jouer une pièce de théâtre. C'était les années 80-85.
et je suis blanc. Le titre s'appelle le mot d'Akira. Même moi. Et là, on a comme groupe, le groupe Tana, qui est un démo culte. Après, juste la pièce de théâtre, on était 5 personnes ramassées par la sécurité militaire à l'époque. Il n'y avait pas d'IRS, il y avait la sécurité militaire. Et bon, parce que dans la pièce, il y avait genre des signes communistes, il y avait anti-pouvoir, il y avait. Et depuis le temps, il a dit que je ne connais pas le pays. Je connais le truc d'Aïssid, qui a fait le Syrie. Puis, avec le temps, il a fait le pays. On a commencé à lutter à genre le truc d'Aïssid. Et genre, le président de l'association, il était dans le pays, il était dans le pays. Et finalement, on était mobilisé. Ou l'INAF le PAX, genre spontanément. Ou l'INA, genre des cellules. À l'époque, c'est bien dommage, on connaît pas beaucoup de gens d'Alger. On a Fiskida. On a Fiskida, qui est le budget de facilité de nom, qui est le président, l'Islam Ilahi, de Fiskida. Fédération. La fédération. رئيس المكتب الولائي رمضان محمد وكنا موزعين على خلايا دي سيليو شاكا عنده لورول تاعو وسي سا لو شارج كنا نخدمو جور في خلايا متضامنين كل واحد عنده لورول جور يقوم الدور تاعو فريك افيك ان بونك Moi, j'étais chargé de distribuer Sotchar. On a roulé le village, on a distribué Sotchar, au Jésaire Jumouria, à la République. Sotchar, il y a le Manchou Chahri, mensuel à Calpax. Quand il fait ça, le Khajaras, quand il fait. L'organe central du Pax. Exactement. L'Issan Hal et Hizbtali Ali Shtiraki. On a genre. Entre nous. On essaye de mobiliser les personnes avec le journal social. Ou quand on a l'Algérie pour le public, on a besoin de dire que l'aliment, c'est que basé à l'Iran. Et à l'époque, il n'y avait pas l'Internet, il y avait juste l'Iran télévision, il y avait déjà champion des années 80. On a, à travers social, l'Algérie publicaine, et les petites meetings comme ça, on a essayé. Et vraiment, le groupe de Skida, la ville de Skida, on a réussi à mobiliser presque le bon lieu de Skida. On a réussi à créer plusieurs civils, dont Tamalous, si vous connaissez la ville de Skida, Tamalous, Al-Kobe, Haroche, et même les centres culturels. On était bien intégrés dans les centres culturels et même les syndicats al-Baladi à Ta'ali. Bon, de toute façon, c'était pour moi, cette rencontre, c'est une nostalgie. C'était une belle époque. Certainement, il y avait des erreurs. Certainement, il y avait beaucoup de choses. On se connaît pas. Peut-être parce qu'on est sérieux. Elle a dit qu'on n'arrive pas. Principal Sadek Hajjaz, franchement, moi, je l'ai vu une seule fois. Je ne l'ai jamais vu. Jamais quitté là. On a fait Alger dans un meeting, on était chef de jour de passage. Je pense qu'on voit à l'Emilam. Et voilà mon petit parcours avec le PAX. Et c'est bien dommage, après Srat, comme il a dit, Khadra, le conflit binat homme et Mbad. جات تحدي وجات هاشم الشريف وراح البايكس على كل حال سي مراحل كما يقولوا البايكس كان عنده كنا في وقت ما كان هذا الاتجاه على بالنا ايه ابري 10 ans 15 ans 20 ans certainement les choses changent
le parti est obligé de changer la stratégie, de changer le nom. Et voilà, c'est ça. Allô, Chakapol, c'est tout. Merci. Merci, Saïf, ancien militant du PACS. Oui, Jamila. Tout à l'heure, il y a plusieurs intervenants qui parlaient de la mémoire, de la transmission. Moi, pourquoi je suis là aujourd'hui? Je suis là parce que Hajra, il fait partie des sommités de. Qu'a enfanté l'Algérie. Il était immense, immense, parce que je n'ai pas envie de parler de parti, parce que la famille politique partisane, elle vit des moments terribles, elle est traversée par des ouragans, et je crois qu'on n'est pas là pour ça. Il y a beaucoup de choses que je ne partage pas au PACS, depuis toujours. Moi, j'ai la culture MCB, Tamazir, Tougdouz, je ne partage pas ça, mais je fais la part des choses. Je l'ai écrit ce matin d'ailleurs. C'est un penseur. Il pense. Il avait des idées. Effectivement, il a cette force d'écoute, peut-être de remise en cause, parce que je n'ai pas eu de grands échanges avec lui. Je l'ai rencontré une fois à la télé algérienne parce qu'on parlait de la crise berbériste de 1949. Il y a beaucoup de questions sur cette histoire justement et Redjras avait beaucoup de choses à dire sur cette question des Mazirs dans le mouvement nationaliste algérien et tout ce qui s'est passé à l'époque, donc vers la fin des années 40. Et la suite, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours le même problème, cette crise identitaire que certains refusent de voir. Mais elle est là. Elle est là et on ne peut pas qu'émonder son identité chez soi. Et je refuse de demander à quelqu'un de me reconnaître chez moi. Je suis Kabyle, je suis Amazigh dans ce pays qui s'appelle Algérie. C'est un pays qui est à moi aussi. Donc si quelqu'un n'est pas d'accord, c'est son problème, ce n'est pas du tout le mien. Donc je reviens à Sadr Hajras. Il était penseur, il était humble. Je l'ai rencontré la deuxième fois à Paris, dans un métro parisien. Sincèrement, je me rappelle plus de la ligne du métro parce que vous connaissez ceux qui connaissent Paris, là, les correspondances et tout le kit, dans les années 90. Et à un moment donné, j'avançais sur le quai, je voyais une personne qui me disait quelque chose de loin, une silhouette de loin. Plus j'avançais, plus je le reconnaissais. Et j'ai discuté un tout petit peu avec lui. Il faisait sa thèse. Il était... Et sincèrement, j'avais un sentiment. Je ne l'avais pas exprimé parce que c'est comme si on avait failli, nous. Là, j'ai dit, cet homme qui est là, assis, dans une station de métro, en principe, sa place devrait être ailleurs. Il a fait beaucoup. Ils ont lutté pour libérer le pays et il est dans le pays qu'il avait combattu. Et donc, j'étais désarçonnée, mais il était calme, il était zen. Il était mon opposé, moi. À l'époque, je bouillonnais de partout. Ça fait de la pluie. Mais il était tellement calme que je dis, ah oh, j'étais avec tout ce qu'il avait traversé, qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Il est calme. Il était calme. Il était calme et je sentais une tristesse quand même. On a senti cette tristesse et j'espère qu'il n'avait pas pensé qu'il avait failli parce que, sincèrement, sa génération avait fait sa part. Il faut pas... Et cet homme-là, pourquoi les jeunes ne l'ont pas accompagné, ne l'avaient pas accompagné lors de son enterrement, il faut d'abord le connaître. Pourquoi moi je l'ai connu et pourquoi j'ai entendu parler de lui? Parce qu'on a fait l'université, on a côtoyé des militants. Mais à la maison, on ne parle pas d'Aït Ahmed, on ne parle pas de Hajras, on ne parle pas de plein de personnes à l'époque de Boumdjian que certains continuent à vénérer.
Je suis désolée, ces hommes-là, il les a tous envoyés pour briller lui. C'est ces hommes-là qui ont fait la révolution, c'est ces hommes-là qui ont fait le peu de qui ont donné le peu de fierté aux Algériens à travers, je parle de, depuis les années 20 jusqu'aux années, jusqu'à nos jours, on va dire jusqu'à nos jours. Donc, dans notre mémoire collective, si on ne côtoie pas des militants, des gens qui s'y connaissent, on ne peut pas découvrir ces personnalités parce qu'elles ne sont pas à l'école, on n'en parle pas à la télévision, on ne parle pas d'eux à la radio, et parfois on se permet même de les taxer de tous les noms quand on en parle. Donc la jeunesse est victime. Mais effectivement, comme elle disait la dame tout à l'heure, ici tout un chacun écrivait son vécu. C'est notre histoire commune, finalement. Donc, aujourd'hui, c'est un hommage à ce grand monsieur. Je suis contente d'être là, à sa mémoire. Et ça me rappelle l'enterrement de Kate Biassine, hein. Mais avec une différence magnifique. Il n'y avait pas ce imam-là qui a imposé la fatiha à l'Aliya. Là, il y a des gens ici qui vont dans la même direction par rapport à certaines valeurs humaniste, certaines valeurs de justice. Donc, paix à son âme. Il a laissé un héritage, il faut le lire. Hein. Il faut le lire, il faut connaître son parcours et le transmettre à nos enfants. Il n'était pas le seul, donc il faut continuer à en parler. Il faut parler à la maison, parler à... Et il faut trouver des voies de communication pour vulgariser le travail de ces personnes qui sont extraordinaires. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jamila. Oui, Kader, rapidement, parce qu'on s'achemine vers la fin. Il y a chaque monument, je dirais, oui. Il y a des citations qui sont marquantes. Alors, comme tout monument, ces genres de personnes ont laissé des citations ou des phrases qui resteront éternelles pour moi, je pense ça à mon point de vue. Alors, parmi ceux que j'ai sélectionnés, parce qu'elles sont d'actualité, ce que nous vivons en Algérie actuellement, ce que le RAC est en train de traverser, je trouve qu'elles sont d'actualité. Alors, parmi ces citations, je dirais qu'il dit « Il faut faire la différence entre le nationalisme primaire et le nationalisme réfléchi. » Il a continué « Dans le souci de la réussite, les porteurs de réflexion ne doivent jamais être que des porte-clés. » Donc, on doit vraiment prendre ça. Il dit que l'adhésion dans l'action est la source de la construction de l'union. Ça, c'est des phrases qui sont très, très symboliques. Il a dit aussi « S'éloigner et prendre distance toujours du nationalisme chauvin, étroit et antidémocratique. » Ça, c'est des citations que je pense qu'elles vont rester. Alors, une autre chose aussi qui est très, très importante, parce qu'on dit pour quelles raisons les jeunes ne sont pas présents à son enterrement. Moi, je dirais la faute est à l'école. Il y a une bonne citation, il a de la confirmer à Joss, parce que je l'ai écouté pas plusieurs fois. C'est un plaisir, on ne se fatigue jamais d'écouter. Il a dit, Baudière disait, « Ushfatouna, le Baudal Khoury, Bashfatouna, Belaïm. » Alors, lui, il te dit, le berceau, le réservoir, le grenier de la révolution a été les Sibnecs. Donc c'est l'école. Merci beaucoup, Kader. Merci. Donc malheureusement, on s'achemine donc vers la fin de cet hommage-là. On s'excuse encore une fois des difficultés techniques qu'on a eues à entendre, notamment ceux qui souhaitaient nous parler depuis Paris, notamment. On va essayer pour les prochains rendez-vous hybrides de s'améliorer sur le plan technique, surtout de faire des essais avant les émissions. Donc, on arrive au dernier mot, Alia, Mohand et Khadra. J'espère que tu vas pouvoir dire un dernier mot avant qu'on le voit. Fadli, Alia. Moi, j'ai un mot, c'est pour vous tous. Il aurait été tellement content de vous voir comme ça. Vous n'êtes pas d'anciens paxistes, mais je pense que chacun de vos témoignages,
hein, n'est-ce pas, Jamila, la Kader, ou là, tous ceux qui ont parlé, c'est de se dire on est conforme à son esprit. Qu'ils aient réussi à faire la révolution, lui qui était avec les combattants de la liberté, il est allé négocier avec le Cheikh Hajjali Fezouch pour rentrer en tant que militant de l'ALN. Être capable à un instant T de l'histoire de se dire quel est l'objectif commun, qu'est-ce qui nous unit. Et je pense que si vous voyez là, nous sommes, comme disait Jamila, on ne s'entend pas sur tout, mais on s'entend sur l'essentiel, et ça, c'est son esprit. Donc, je pense que vraiment, merci à la BAH, merci à Alterna TV d'avoir fait cet hommage à Montréal. Il y en a eu à Alger, il y en aura à Paris, mais c'est extraordinaire. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de dire, le jour où Nelson Mandela est mort, tous ceux qui étaient ses tortionnaires étaient présents à son enterrement. Et ça m'a choquée, j'ai été peut-être blessante, parce qu'on m'a dit « Pourquoi tu vas empêcher Tebboune de présenter ses condoléances ?» C'est vrai, je n'ai pas le droit d'empêcher quiconque de présenter ses condoléances, mais c'est plus fort que moi. « Mishtartama, metal kolaraj » Merci à vous. Merci Alia. Mohand, un dernier mot. Écoute, je remercie d'abord tous les amis qui sont parmi nous, qui ont répondu présent à cette invitation, à tous les animateurs, les invités qui ont témoigné pour Sadat Rajas. Cet homme le mérite amplement, comme l'ont mérité d'autres qui ont disparu, et d'autres qui vivent encore, et je pense qu'il ne faut pas attendre que quelque chose de tragique arrive pour les évoquer. Mais Sadat Rajas vient nous rappeler quelque chose. La mémoire, c'est très important. Il y a toujours une transmission de valeurs, de mémoire, mais ça dépend dans quelles conditions cela se déroule. Et il y a eu les révoltes au 19e siècle, particulièrement celle de 1871. Il n'y avait pas de cadre de socialisation, il n'y avait pas de cadre de transmission, à part ce qu'il y avait dans les villages, à part ce qui se racontait autour du Kanoun, à la suite de la défaite. Mais aujourd'hui, il y a d'autres moyens. Pourquoi ? Parce que les jeunes, on parle de jeunes générations, ils ne vont pas aller au Kanoun pour écouter une histoire qui s'est produite il y a 30 ans, il y a 60 ans. Il faut investir dans des choses pour que des hommes, des femmes de la stature de Sadat Rajas ne disparaissent pas comme ça dans le trou noir de notre mémoire. Et on a peur de ça. Et merci beaucoup. Merci Mohand, merci Alia. Il y a Sanhaja Akrouf qui essaie depuis quelques minutes de nous parler à partir d'un congrès auquel elle assiste. Donc visiblement, ce n'est pas possible. Je profite avant de clore l'émission d'informer donc les amis qui sont présents ici, qu'il y a des mails qui ont été rapportés par quelques-uns. Donc on va, c'est une autre façon de célébrer aussi, de rendre hommage donc à Sadat Rajas et à tous les militants, militantes qui sont morts pour leur idéal, l'idéal de la construction d'une Algérie libre, sociale et démocratique, une Algérie plurielle. C'était le souhait de Sadat Rajas. Alia, tout à l'heure, tu disais, tu parlais de certains partages malheureux qui ont été fait sur les réseaux sociaux ces derniers jours à propos d'une rencontre éphémère de 1 minute 30 avec Rabih Zeitoun. Il fallait écouter durant cette minute-là qu'est-ce que Sadat Rajas avait dit à Rabih Zeitoun. Il lui a dit « Algérie libre et démocratique, sociale, l'Algérie t'allie, c'est ce qu'il disait. C'est ça que, le plus important, c'est que Sadat Rajas n'a jamais renié son idéal, les combats de sa vie, ceux d'une Algérie libre et démocratique, ceux d'une Algérie solidaire avec les luttes des peuples partout dans le monde. C'est l'image que j'imagine nous tous ici allons garder de Sadat Rajas. Il y aura des débats que les progressistes devront certainement mener entre eux. Khadra nous parlait tout à l'heure des divisions du pacte, des divisions de la gauche. La gauche a sombré
peut-être après la disparition des blocs de l'Est, etc. Donc, elle a créé de nouveaux défis. Il y aura des débats nécessaires, mais aujourd'hui, on était là pour rendre hommage à un grand homme, un hommage qu'il mérite pour les 80 ans de combat qu'il a consacré à ses idéaux, mais qu'il a consacré aussi à la construction d'une Algérie libre démocratique que malheureusement, il n'aura pas vue à la naissance de laquelle il n'aura pas assisté. Donc, continuons le combat de Salah Al-Jarrah, mais aussi de tous les militants et militantes de la liberté. Je ne sais pas, un petit dernier mot, Khadra, elle est encore là depuis Paris, je ne sais pas est-ce que le son est rétabli, mais peut-être qu'on va te rappeler aussi. Est-ce que vous m'entendez ou oui, oui, là c'est très bien, là c'est très bien. À la fin, ça s'est créé. Voilà, bah, je voulais juste vous remercier pour nous avoir permis de quand même de parler de Sadak, le mythe, voilà, le père spirituel, voilà, et aussi parler des combats de Sadak aussi, ça nous permet aussi de parler des combats et des luttes du peuple algérien en même temps, hein. Et je dirais que voilà, la lutte continue et il faut Sadak qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Aujourd'hui, il faudra continuer sur cette voie, sur cette valeur pour construire une Algérie libre, démocratique et sociale. Et même dans les moments sombres, il faut garder l'espoir, il faut s'accrocher à notre idéal, c'est de voir un jour ce peuple et ce pays vivre bien, voilà. Et je dirais Jazayel Hurra Démocratia. Voilà. Merci beaucoup, Khadra. Comme je disais, il y a des problèmes, je pense que c'est réglé. Mais elle nous envoie le message, elle voulait dire qu'elle voulait souligner, mettre l'accent sur le caractère inclusif de la pensée de Sadak Al-Jarrah. Il disait, même si il est clair que les idées de Sadak Al-Jarrah, elles sont connues, le combat qui est le sien d'Algérie libre et démocratique, l'Algérie de l'égalité entre les hommes et les femmes, mais il disait que l'Algérie était suffisamment large et suffisamment spacieuse pour tous les Algériens et toutes les Algériennes. C'est le message que voulait nous faire passer Sana Hajar Agrouf, militante du RAC, militante féministe, militante de gauche depuis une quarantaine d'années, même si elle n'est pas issue de la même expérience que Sadak Al-Jarrah, que les militants qu'on a entendus ce soir. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à l'invitation pour rendre hommage à ce grand homme. On s'excuse encore une fois des difficultés techniques. On va y arriver, on ne va pas lâcher le morceau. Donc, on va multiplier les expériences hybrides. On va pouvoir communiquer entre les Algériens qui se trouvent en Algérie, ceux qui sont ici, ceux qui sont ailleurs dans le monde, surtout dans le contexte actuel où c'est très difficile pour nos compatriotes, nos concitoyens de s'exprimer en Algérie. Donc, il faut multiplier ces initiatives. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire au niveau de Altema TV. A Tekoum Saha, merci. Merci au Mala et à une prochaine. Oh, Allah.